Non, j'aime ça et tout. Comment va? Tu vas bien. On se retrouve dans la troisième et dernière partie de la conception de la tenue de bal, Second Empire. Il ne me semble pas l'avoir expliqué dans le premier épisode, mais j'ai voulu faire cette tenue parce que le tissu que j'avais, un jour j'ai vu la robe, donc mon modèle, j'ai vu cette robe et j'ai dit c'est bizarre, je crois avoir le même tissu. Puis après je re-regarde d'autres épingles sur Pinterest et là je vois encore une autre tenue avec le même tissu mais en différentes couleurs. Et il y a juste un motif qui manque, sinon c'est la même chose. Et j'ai dit bah voilà. Dans cette troisième partie, je pensais ne faire que le bustier de bal, mais en fait, je pense pouvoir faire une veste style boléro. Alors je m'explique, j'ai ce terme associé en tête, je sais pas si c'est le bon terme, je rechercherai après, je vous mettrai si oui ou non. C'est ces petites vestes qui, vous savez, forment un arrondi, qui sont pas fermées. En haut elles sont fermées, ou pas d'ailleurs, c'est juste qu'elles sont assez près du corps entre guillemets. Elles sont pas, elles font pas tout le buste. Et je trouve ça joli et c'est... Et je me suis dit si un jour j'ai envie de changer de ma robe turquoise ou ma robe beige, bah pourquoi pas prendre la robe de bal et en faire une robe à transformation. Du coup voilà, je vous explique un petit peu le plan. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais réajuster mes patrons de mon bustier de bal au niveau de la toile, de ce que j'ai fait. Et ensuite, je commencerai, je pense, à découper dans le tissu. Dans le tissu et dans les tissus entoilés, on va dire, pour faire un contreplaquage, pour que le buste, pas le buste, mais le bustier soit plus dur et que les balades ne reviennent pas tout en dessus. Je ne sais pas encore si je vais faire une doublure, parce que c'est beaucoup de temps. J'en ai fait plein ces derniers temps. Je dois vous avouer que les doublures, ça commence à me saouler. Mais pour une meilleure finition, je pense que je vais en faire une. Je ne sais pas dans quelle matière, parce qu'il faut que ce soit une matière qui soit naturelle. Si possible végétal, comme ça, ça laisse bien respirer la peau. Je vais voir ce que j'ai en stock et nous verrons par la suite. Donc je vais enlever tout le bazar qu'il y a ici, je me mets en place et on se met au boulot. Mais du coup, la deuxième partie, j'ai pas fait d'intro. Est-ce que j'en ai fait une? Je vais faire une autre vidéo. Après avoir essayé la toile et avoir modelé le corsage comme je le voulais pour la forme finale, j'ai tout décousu et reporté toutes mes valeurs sur le patron. J'ai ensuite retracé le patron en entier pour avoir un patron fini et tout propre.
Oh, c'est trop bon. Hein. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Programme d'aujourd'hui. Ce matin, je fais une trousse Pantone pour une collègue. Parce qu'elle a bien aimé la mienne. Je fais une petite poche en plus. Et cet après-midi, enfin si après j'ai le temps aussi ce matin, je reprendrai le corsage. Et là, on va s'amuser. Parce qu'il faut que je fasse les bandes pour les baleines. Et il faut que je trouve les ronds pour faire le corsage. Et un lacet pour lacer le derrière. Et il y a encore le dessus à faire avec le dos et les manches. Ça, ça viendra dans un deuxième temps. Je verrai comment faire. Pour l'instant, on va s'occuper de la base. On est parti! Thank you.
Donc du coup, ma chambre, c'est un peu le bordel. J'ai fini de fermer le corset. Il y a une chose que je regrette que j'aurais dû faire. J'ai vu sur toutes les photos qu'on peut trouver des corsets, des corsages plutôt, corsages de bal, Second Empire, et je pense que même sur d'autres époques, c'est qu'il y a une bande ici qui permet de bien coller le corset au corps, et comme ça, ça garde bien la forme, etc. Et je l'ai pas fait, parce que j'ai oublié. Il y a aussi un autre truc que j'ai oublié, mais je sais pas si ça va vraiment impacter la chose, c'est que j'ai appris qu'on mettait sur ici, là, en haut, pour que ça garde la forme, un ruban de serge et coton, ou un ruban en coton, pour que ça garde bien la forme et que ce soit un peu plus robuste aussi. Et je l'ai pas fait, parce que j'ai oublié aussi. Donc voilà, mais il est fermé, il est beau, j'aime bien. Je voulais un peu plus arrondi, je ne suis pas arrivée. Ce n'est point grave, on va s'adapter. Maintenant, il me reste deux choses à faire. La décoration qui vient là, et les manches. Et c'est dans la deuxième partie de cette vidéo, parce que là je vous filme l'outro de cette première partie, parce que j'ai pas encore monté la vidéo. C'est drôle, hein, c'est drôle. Oui. Et la vidéo sort demain. Bah, je vais faire que du montage aujourd'hui, hein. Je n'ai pas le choix. Voilà. J'ai faim. Et puis, que d'autre? Dans la deuxième partie, donc, on fera les manches et la décoration, et on fera également le lassage, mettre les œillets dans le dos et faire le lassage. J'étais justement en train de lire le programme de Vichy Napoléon III, dans deux semaines maintenant. Donc du 11 au 13 juin à Vichy, j'y serai, soit dans cette tenue, soit dans les autres tenues que j'ai faites plutôt dans l'année. Donc venez me voir. Je ne mords pas, je ne mange pas, je ne suis pas encore cannibale, j'espère ne pas le devenir surtout. Donc voilà, un très très beau programme, croisez les doigts, touchez du bois, il y a énormément de choses. Si vous voulez le programme, je vous le mets en barre d'infos, il est sur le site officiel de Vichy, de la ville de Vichy. Je vous dis, j'espère à la semaine prochaine. Parce que la semaine d'après, bah, ce sera Napoléon III. Donc il n'y aura pas de vidéo la semaine de Napoléon III, puisque je serai en train de vous filmer ces journées. Je vais essayer cette année du coup de vous filmer le maximum de choses. Je n'ai pas pu acheter la caméra que je voulais, donc je ne sais pas si je vais prendre mon appareil photo avec moi. En tout cas, j'aurai mon téléphone, il va falloir que je fasse le tri avant d'y aller du coup, si je veux filmer plein de choses. J'essaierai de vous filmer le maximum de choses. Encore une fois, dans mes vidéos, s'il n'y a pas énormément de choses, c'est que je pense que j'aurais eu envie de profiter au maximum de mes amis et puis des journées, parce que bah ça fait quand même un an qu'on n'a pas eu ces fêtes Napoléon III. Dès que ça s'arrête, il y a un très très grand vide qui s'installe, donc j'essaierai au maximum de vous faire. On récapitule le planning ensemble. La semaine prochaine, je vous mets la dernière partie, je l'espère, de cette robe. Sinon, j'essaierai de vous le mettre dans la semaine... Si c'est pas la semaine du 1er, ce sera la semaine du 7 juin, donc le week-end du 11 au 13. Le samedi 12 juin, il n'y aura pas de vidéo puisque je serai en train de filmer du coup les fêtes de Napoléon III. Et donc la vidéo sortira la semaine d'après, le temps que je monte bien tout ça, que je me repose aussi, parce que comment vous dire, c'est limite fatigant, un petit peu. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche sur toutes les notifications et à liker cette vidéo pour soutenir vos créateurs de contenu préférés. Que vous dire de plus? Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine. Soyez là. Je sais pas à quelle heure. J'ai jamais encore trouvé la bonne heure à laquelle poster. Jamais. Du coup, on verra. 10h, c'est bien comme heure. Mais ça veut dire qu'il faut que je me lève avant 10h. Oh là là. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao, goodbye!